Je ne suis pas un geek et je me soigne. Il y a 15 jours, je vous ai fait une vidéo pour vous montrer mon progrès. Aujourd'hui, je vais vous montrer quel progrès j'ai fait depuis 15 jours. D'abord, j'ai investi dans du matériel. Vous voyez, j'ai un trépied là pour un appareil photo que j'ai acheté hier. Donc, je ne maîtrise pas du tout encore. D'ailleurs, je vais tout de suite prendre une photo. Hein, et voilà, si je veux bien cadrer, souriez. Voilà, merci de sourire. Eh bien, voilà. Donc, j'ai investi dans du matériel, mais comme je ne suis pas un geek, je me soigne et j'y connais vraiment rien dans ce qui concerne les appareils photo. Donc, il va falloir vraiment que je m'y mette pour apprendre à utiliser ça comme caméra. Et, eh bien, où en étais-je il y a 15 jours? Il y a 15 jours, j'avais 136 abonnés. Où en suis-je aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, j'ai 180 abonnés. Yes! 44 abonnés de plus en 2 semaines. C'est fantastique, c'est génial. Mais malheureusement, c'est loin d'être suffisant. Puisque mon objectif, c'est d'avoir 1000 abonnés fin juin. C'est-à-dire, il me reste moins de 90 jours pour en avoir encore 820 abonnés. Ça veut dire plus de 10 abonnés par jour. Et oui, mais je crois à la loi de l'exponentielle, ça va aller de plus en plus vite. Alors, qu'est-ce que j'ai fait pour augmenter mes nombres d'abonnés et aussi mes nombres de vues? Vous pouvez le voir, le nombre de vues est passé de 5000 à 7000 pratiquement en 15 jours. Eh bien, d'abord, j'ai travaillé sur les vidéos, les miniatures, hein, ce qu'on appelle les miniatures, les thumbnails en anglais, c'est-à-dire le visuel. Et regardez, ça, c'était les visuels avant. Et après, regardez, voilà, c'est beaucoup plus attrayant et tout de suite, ça augmente le taux de clics. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous voyez le visuel, vous avez envie de cliquer dessus. Enfin, c'est mon objectif. Ça le fait, je ne sais pas, mais en tout cas, je pense que ces visuels sont meilleurs qu'avant. Alors, j'ai aussi créé, et je vais vous mettre un peu de lumière, j'ai aussi créé des nouvelles vidéos, une nouvelle série de vidéos qui s'appelle Coaching ou pas coaching, où j'interview 2 coachs. En l'occurrence, j'ai interviewé Laurent Tilski, qui est un coach de dirigeant, et j'ai interviewé Christine Andry, qui est coach d'entrepreneur. Donc, c'est sous format interview et c'est sous format un peu de l'émission Rock Your Life que je faisais l'année dernière. Et alors, maintenant, la difficulté pour moi, elle est où? Elle se trouve dans le montage des vidéos. Et là où j'ai encore vraiment du mal, c'est de me faire du montage avec les vidéos. J'ai fait une vidéo où comment je fais un montage avec mon téléphone, en filmant avec le téléphone. Mais là, je filme depuis mon ordinateur fixe. Et ça se complique un petit peu. Alors, si on regarde un peu sur le net ce qui existe comme montage vidéo, eh bien, tout le monde me parle de Adobe Premiere, qui est vraiment l'outil qu'il faut utiliser, qui est à la fois payant et surtout, pour moi, il est encore un peu complexe. Il y a quelque chose d'équivalent qui s'appelle le DaVinci Resolve, qui a l'air pas mal, mais encore... Une fois, d'abord il y a une version gratuite, bonne part qui est gratuite, et surtout en ce qui me concerne, je trouve ça encore un peu compliqué. J'ai trouvé une autre application qui s'appelle HitFilm, qui avait l'air déjà mieux, mais encore une fois, quand on n'est pas geek, tout ça c'est vraiment très, très technique. Voilà. Et finalement, j'ai trouvé un outil qui m'a l'air pas mal, du moins en termes d'utilisation. J'ai encore un tout petit problème technique pour l'instant, c'est pour ça que je ne vais pas faire de montage sur cette vidéo, et j'espère bien pouvoir le faire sur les prochaines vidéos. Et ça s'appelle OpenShot Video Editor, et je compte bien utiliser. Il est facile d'utilisation en apparence, j'ai juste un problème technique de mon côté. Est-ce que ça vient de mon ordinateur? Ça vient d'une question de réglage? Mais je devrais résoudre ce problème rapidement. Alors, je ne suis pas un geek et je me soigne. Si vous aussi voulez m'accompagner dans cette aventure, je vous invite à vous abonner, à mettre un pouce, voire mettre la cloche et un commentaire pour me donner faire des suggestions. À très bientôt, voilà.